Welcome to the Jean-Baptiste Show. Now, come on. Salut les amis et bon retour dans le Jean-Baptiste Show. J'espère que vous allez bien les amis et comme vous pouvez le voir c'est l'apocalypse et on se retrouve sur Mad Max. Donc le jeu vient juste de sortir, il est fait par Avalanche Studio, le studio qui est responsable des Just Cause, et il est édité par Warner Bros. Et du coup j'ai décidé de parler de ce jeu là plutôt que de Metal Gear Solid 5 qui vient de sortir en même temps. Ils sont un peu concurrents tous les deux, parce que je pense que voilà, il y a beaucoup de gens qui parlent de Metal Gear Solid et il est très bon, mais je pense qu'il faut pas oublier Mad Max non plus, qui est quand même un bon jeu comme vous allez le voir. Alors déjà sur PC on peut dire qu'il est vraiment bien optimisé, il n'y a pas forcément besoin d'avoir une énorme configuration ou un avion de chasse pour le faire tourner, ça c'est plutôt pas mal. J'ai rencontré très peu de bugs et surtout les contrôles sont vraiment bien pensés et il faut dire que l'univers est magnifique. Donc voilà, graphiquement on n'est pas sur quelque chose de ouf on va dire, mais esthétiquement en tout cas c'est très réussi. Et la seule chose que je regretterais c'est peut-être avoir un peu plus de réalisme au niveau des visages, peut-être un peu plus de polygones et de pixels. Mais c'est tout, et sur ce on va attaquer directement sur le scénario du jeu. Alors concernant le scénario, déjà on va commencer par la mauvaise nouvelle entre guillemets, c'est que l'histoire principale, donc si vous faites pas le secondaire, vous rushez l'histoire principale, à mon avis il y en a pour 7-8 heures, donc ça va quand même, mais le jeu est extrêmement riche et on regrette presque que l'histoire soit aussi courte, parce qu'en fait, si vous voulez explorer un peu plus le monde et profiter de tout ce qui est secondaire, même sans tout finir à 100%, vous en avez pour plutôt 30 heures de jeu, donc ça j'y reviendrai plus tard dans la section univers de cette vidéo. Et on peut dire aussi que l'histoire est assez cliché, donc l'histoire est très bien, je dénigre pas l'histoire, mais on s'attend pas mal à ce qui va se passer. Il y a quelques retournements de situation, mais voilà, c'est pas, faut pas s'attendre à un scénario complexe avec beaucoup de retournements, il y a des rebondissements, mais voilà, c'est pas ouf. Mais à côté de ça, je dois dire que les personnages secondaires sont vraiment bien écrits, la VO est très très bien faite. À côté, même Mad Max paraît un peu simplé par rapport aux autres personnages qui sont vraiment bien joués, qui sont bien écrits, qui sont même très attachants, et même en dehors des cinématiques, avec les petites interactions qu'on a avec eux à la manière de GTA, quand ils sont dans le véhicule et qu'il y a une discussion dans le véhicule, c'est même assez marrant et c'est plutôt bien foutu. Les quêtes secondaires, elles sont vraiment bien écrites aussi, en plus du scénario principal, je trouve que c'est assez riche. Ça donne pas vraiment envie de rusher l'histoire, au contraire, ça donne vraiment envie de vivre le jeu à fond, de faire une mission, d'aller explorer un peu ce qu'il y a autour avant de continuer. C'est voilà, l'univers est vraiment vivant, on est super fidèle à Mad Max, l'apocalypse est vraiment bien retranscrit, il y a plein de références aux anciens films et des références aux nouveaux, donc c'est voilà, on se plaît vraiment dans cet univers, les personnages sont attachants. On aurait juste voulu, je pense, que le scénario de l'histoire soit un peu plus long ou un peu plus étoffé. Mais voilà, ça n'empêche pas qu'il est quand même très réussi au niveau du scénario et qu'il y a vraiment des scènes de l'histoire qui sont assez ouf au niveau de la mise en scène, même visuellement. Donc voilà, il vaut vraiment le coup. Il y a de grands moments, je crois, ce qu'on veut dire, de génie et de mise en scène qui sont vraiment excellents. Mais c'est dommage, on aurait peut-être voulu en avoir plus. Mais heureusement, il y a tout le secondaire et c'est ce qui m'a permet maintenant de vous parler de l'univers. Et donc concernant l'univers du jeu, donc autant dire que c'est un des gros points forts de Mad Max parce que l'univers est vraiment immense. Alors je sais, vous allez me dire, ouais mais c'est facile, c'est avec du sable. Et bien j'ai envie de vous dire que non, parce que l'univers est vraiment immense, il est séparé en plusieurs zones qui sont vraiment nombreuses et vraiment très variées, les endroits ne se ressemblent pas du tout, et cette espèce d'immense désert de sable, qui n'est pas toujours un désert de sable d'ailleurs, je vous spoil pas, mais c'est pas toujours du sable, est vraiment, on va dire, construit, vraiment bien construit. Il y a des montagnes, tout ça, mais il y a plein d'endroits d'intérêt, il y a plein de carcasses, plein de bases, plein de choses à explorer, plein de zones à voir, c'est hyper varié, c'est plein de détails, il y a énormément de missions et d'activités à faire. Enfin voilà, il y a un gros travail qui a été fait par le studio pour rendre cet univers extrêmement riche, et même il y a une volonté d'essayer de construire quelque chose de pas répétitif. Donc à tous les niveaux, que ce soit au niveau le plus large, c'est-à-dire de proposer quelque chose, des biomes différents, des endroits à visiter différents, mais même par exemple, si vous allez vers un même type de base, vous allez voir que les bases sont toujours conçues de manière différente, elles ont leur histoire, et on peut même facilement en arrivant dans une base, imaginez ce qui s'est passé, comment ils en sont arrivés là, comment ils se sont installés dans cette carcasse de bateau, dans cette carcasse d'avion, et il y a même des petites scènes qu'on peut se recréer, nous, en explorant les bases, comme par exemple des endroits où on peut soupçonner que bah, du coup il y a eu des tentatives de cannibalisme ou des choses comme ça. Enfin, cet univers est vraiment témoin en fait de tout l'univers de Mad Max et je trouve que c'est vraiment l'univers du jeu qui fait sa force. Ça raconte vraiment quelque chose, ça raconte même quelque chose mieux que le scénario principal. C'est vraiment riche, on se sent vraiment faire partie de cet univers et on n'a pas du tout envie de le quitter, on a envie de l'explorer à fond. Et ça c'est vraiment
la force de Mad Max, mais voilà, après, si je devais dire un petit point faible sur l'univers, c'est que malheureusement, l'univers est beaucoup trop grand. Alors là, je sais que je me contredis, mais c'est un point faible, en même temps un point fort. Et c'est-à-dire qu'ils ont vu tellement grand, en fait, les développeurs, que c'est que l'univers est trop grand, il y a tellement d'activités, tellement de points d'intérêt, qu'il peut arriver que si vous vous faites vraiment passer vos journées à faire le même type de mission, bon, vous pouvez essayer de varier, mais en essayant de faire toujours le même type de mission, en vous abrutissant à essayer de finir le jeu à 100%, ça peut devenir répétitif. C'est-à-dire, les missions finalement se ressemblent, c'est... même si le level design est très bon et assez différent, au final, on retrouve un peu le problème qu'on a sur les open world de d'habitude, c'est-à-dire que c'est classé dans certains types de missions, c'est-à-dire aller chercher quelque chose à tel endroit, monter en tel tour, tuer tel personnage, remplir telle condition pour réussir cette mission secondaire. Ça peut devenir répétitif, mais en tout cas, le tout fonctionne très bien, et on peut dire qu'en tout cas, ils ont réussi à vraiment prendre ce qu'il y avait de mieux dans tous les open world qui se font, que ce soit Assassin's Creed, Far Cry... enfin, tous les open world qui se font, tout a été repris ici, tout est concocté dans un espèce d'immense mélange et ça fonctionne extrêmement bien, que ce soit du déplacement rapide, aux missions secondaires, à la confection de forts, aux éléments procéduraux comme les tempêtes ou les patrouilles d'ennemis qui vous tombent dessus sans prévenir. Enfin, tout l'univers est extrêmement bien conçu et je veux dire que c'est vraiment, vraiment le gros point fort de Mad Max parce que on se sent pas guidé, on a vraiment l'impression qu'il y a plein de choses à faire et que tout nous tombe dessus par hasard et que l'univers est vraiment vivant. Et tout ceci m'amène donc à parler dans une dernière partie du gameplay. Donc comme je l'ai dit, on a vraiment pris tout ce qu'il y avait de bien dans les autres open world, donc c'était un gros mélange et le gameplay fonctionne très bien. S'il y a vraiment un point fort sur ce Mad Max aussi, c'est qu'il est très bien conçu, qu'à aucun moment on se dit « Ah ça c'est mal foutu », ou alors là je me fais chier parce que c'est répétitif. Enfin, tout est vraiment bien fait, même dans les petits moments de répétition, il y a toujours moyen d'arriver à varier. Enfin je veux dire, tout est bien conçu, que ce soit au niveau des outils, au niveau de la conception, enfin... Je veux dire, par exemple, si on doit parler rien que de l'univers, donc on est dans un univers post-apocalyptique, et il y a un gros aspect survie qui a été mis en avant, ce qui est assez rare dans les open world, c'est-à-dire que vous devez constamment trouver de l'eau, parce que c'est le seul moyen que vous avez récupéré pour récupérer votre vie, ou alors trouver de la nourriture, mais la nourriture est extrêmement rare, et on peut en venir à tuer des rats, ou même à manger les vers des cadavres qui ont pourri. Donc ça se ressent vraiment, cet univers post-apocalyptique, et même au niveau de l'essence, même si j'ai certains regrets, au niveau de l'essence, il y a une gestion de l'essence aussi, donc on doit trouver des bidons pour faire le plein de la voiture, mais mon seul regret, ce serait que ça aurait été encore mieux si l'essence se brûlait encore plus vite et nous obligeait encore plus à rechercher des bidons, puisqu'en plus, il y a possibilité de stocker des bidons dans la voiture, enfin, c'est vraiment bien foutu. Enfin, c'est mon seul regret, mais après, je peux comprendre que pour que ce soit pas lassant, ils aient mis la consommation d'essence assez basse. Après, au niveau de la conduite, puisqu'on parle des voitures, ben, c'est correct, c'est très bien. Les combats en voiture, par contre, sont vraiment excellents. Enfin, c'est dès les premières secondes et jusqu'aux derniers instants du jeu, les combats en voiture sont juste trop bon. Enfin, ça va super vite, c'est super violent, ça rappelle totalement le dernier film, il y a même ambiance. Esthétiquement, c'est comme le dernier film, du coup, on s'y retrouve à fond. Il y a plein de séquences qui se reproduisent dans le jeu, comme on a pu les voir dans les films, sans qu'on demande rien, c'est super nerveux, ça va super vite, c'est... Voilà, franchement les conduites c'est vraiment bien, ça se veut un peu arcade au niveau du contrôle mais ça marche très très bien, les IA en plus sont vraiment bien foutus. Et voilà, on retrouve vraiment les affrontements qu'on aurait cherché dans un jeu Mad Max, ils sont vraiment là. Après tout ce qui est à pied, c'est bien pensé puisqu'en fait le à pied ne peut pas se penser sans le véhicule puisqu'on explore le monde et on descend à pied dans certaines zones. Et puisqu'on parle des affrontements, les affrontements à pied se passent exactement comme dans les Batman de Rocksteady, donc système de combo au point, et après système de contre. Donc ça fonctionne très bien, c'est violent, c'est rapide, il y a du combo, il y a de la rage, vous pouvez utiliser les objets de l'environnement, vous pouvez aussi utiliser l'environnement. Donc voilà, malgré la quantité faramineuse d'ennemis qu'on va affronter, ça arrive à ne pas trop se répéter, mais ça reste quand même un gameplay de Batman, hein, je vous le redis, Mad Max, ça reste quand même un melting pot de tout ce qui fait de bien dans les open world, mais ça le fait bien. Et d'ailleurs au niveau de la personnalisation, c'est assez dingue puisque le personnage principal a une espèce de reconnaissance, ils appellent ça le niveau légende, qui fait monter en niveau, qui permet d'acquérir de nouveaux combos et tout, mais aussi de nouveaux équipements, de nouvelles armures, assez classiques, mais ça va jusqu'à la coupe de cheveux, jusqu'au couvre-chef, enfin, c'est assez dément. Et le pire, c'est sur la voiture, puisqu'on peut vraiment personnaliser sa voiture de manière à ce qu'elle soit vraiment unique, puisque chaque chose qu'on va rajouter sur la voiture
ça va affluer sur la conduite. Donc par exemple, si vous faites vraiment un gros tank hyper blindé, super défendu, bah vous allez pas bien rouler, ça risque de pas être maniable, et du coup, bah vous allez être un tank, quoi, surarmé, mais super lent. Après, à côté de ça, vous pouvez faire un véhicule vraiment léger, avec un moteur vraiment rapide, mais si le moteur est vraiment trop puissant, la maniabilité, elle sera pas bonne. Donc vous pouvez essayer de faire un truc entre deux. Enfin voilà, c'est vraiment très très poussé à ce niveau-là. Après, le seul regret que j'aurai au niveau du gameplay, c'est que le personnage de Mad Max est trop rigide dans son exploration. Il n'a pas possibilité de faire de parcours, donc il ne peut pas enjamber d'obstacles. Il peut juste faire un léger saut qui empêche d'avoir des bugs ou d'être bloqué dans les zones. Mais par exemple, quand une zone est fermée par un léger mur qu'on pourrait escalader ou du moins essayer d'enjamber, ben on ne peut pas, il n'y a pas d'action. Et ça, c'est un peu le regret qui fait que des fois, sur certaines zones, c'est assez rare, mais le gameplay peut paraître un petit peu rigide. Mais voilà, en dehors de ça, ça marche très bien, hein. Tout ce qui est les systèmes de missions secondaires qu'ils ont repris de tous les autres jeux, ça marche très bien. Il y a plein de collectes, que ce soit au niveau des objets, des véhicules légendaires, enfin, c'est très très riche, et comme je le disais, voire peut-être trop riche pour une personne qui voudrait finir le jeu à 100%, va peut-être trouver de la répétitivité là-dedans, mais n'empêche que, voilà, ça marche très bien, et se dire Mad Max arrive à briller par ses instants de gameplay, comme par exemple une séquence où j'étais en train de rouler sur des montagnes de déchets en pleine tempête électromagnétique, donc avec des éclairs qui tombaient de partout. J'étais en train de poursuivre des caisses avec mon câble pour essayer de les attraper et de récupérer à l'intérieur du gros loot. C'est pendant ce temps j'étais poursuivi par trois grosses voitures d'ennemis qui arrêtent pas de me rentrer dedans. Et ça donnait lieu à une scène absolument épique où je me suis éclaté. Et c'est à ce moment-là que Mad Max brille vraiment dans ses grands moments de gameplay. C'est là que le jeu en devient vraiment très bon, qui passe du bon open world à l'excellent jeu. Mais c'est aussi la rareté de ces moments qui font que c'est juste dingue. Enfin, je veux dire, ces séquences-là, elles arrivent pas souvent, mais quand ces séquences arrivent à ce sommet-là, enfin, je veux dire, comme par exemple la rencontre avec les convois qui rappelle des séquences du dernier film, mais il y a des moments où Mad Max arrive vraiment à être un excellent jeu, comme dans ces séquences-là, où les tempêtes, ça marche plus que bien, c'est juste exceptionnel. Enfin, ça, je me suis éclaté, et je veux dire, la métaphore de l'apocalypse dans la séquence que je vous ai racontée, elle était à son maximum. Enfin, je veux dire, on peut pas faire mieux, quoi. C'est... Voilà. Donc au final, que dire? Est-ce que Mad Max, il vaut le coup? Alors j'ai envie de vous dire, si vous êtes là pour juste le solo, non. Enfin, n'y allez pas, parce que vous risquez d'être déçu. Mais par contre, si l'open world, ça vous fait pas trop peur, mais que vous n'avez pas forcément envie d'y aller à 100%, et je pense que c'est comme ça qu'on devrait prendre ce Mad Max, c'est voilà, faire l'histoire parce qu'elle est quand même bien, pour ses personnages attachants et pour les retournements, mais faire l'histoire sans se priver de se balader un peu entre les missions, et surtout de ne pas rusher les missions et d'explorer un peu les environnements qui sont autour de nous pendant qu'on parcourt l'histoire, parce que ça donne vraiment lieu à des séquences qui sont uniques, qui vont être différentes à chaque fois, et qui vont vraiment vous montrer comme ce jeu sait être bon. C'est être un excellent jeu. Donc voilà, donc un plus pour cet univers riche, pour l'univers de Mad Max, l'univers post-apocalyptique. Et si voilà, si vous êtes fan de l'univers post-apocalyptique et en plus que vous êtes fan des open world, ben ce jeu est vraiment fait pour vous, parce que c'est le jeu Mad Max que Mad Max méritait. C'est pas le jeu de l'année, comme je le redis encore, mais c'est vraiment le jeu que la franchise méritait, et c'est un excellent open world. Et voilà les amis, on arrive à la fin de cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu, en tout cas je vous remercie de l'avoir suivi. Si jamais vous êtes intéressé par Mad Max, je vous invite à aller voir le lien dans la description qui vous amène sur GamesPlanet, et à profiter du code promo qu'on a qui s'appelle MACHO, qui permet d'avoir Mad Max à moins 44%. Et si vous passez par ce lien, je reçois un petit pourcentage qui permet de vous acheter des jeux, comme là j'ai deux jeux Mad Max à vous faire gagner, donc vous allez aller voir dans la description comment faire pour les gagner, et en plus de ça j'ai aussi un Metal Gear Phantom Pain qui là est offert directement par GamesPlanet à vous faire gagner, et je ferai gagner ça dans l'heure qui suivra la publication de cette vidéo. Donc si l'heure est passée, eh bien vous pouvez toujours profiter du code promo si vous n'avez pas eu cette chance. Mais sur ce les amis, vous le savez, je vous donne rendez-vous au prochain jour.